Ok, j'ai rip-hop. Essaie de gérer la barre, toi. Gère la barre pour l'instant. Ouais, ouais, ouais. Je vais nous sortir de là, t'inquiète. J'ai 3 douches, light. J'irai après m'occuper d'eux. Tu tiendras la barre, j'ai encore un peu de bouffe, moi, sur moi. On va peut-être faire la diff. Et tes boulets, dès que tu peux les mettre, tu les remets dans la gueule, hein. Putain, regarde ce qui nous arrive dessus. Je vois un boulet de vomi, c'est ça? 3 boulets de vomi et ils ont touché les 3. C'est plus dur pour écoper, mais ça se fait encore. Ah ouais, on a 1, 2, on a 3 trous là. On a 3 trous. Excellent. Ok, je vais essayer de leur tirer dessus. Ah putain, oui, on est pas bien passé. Si je spam les cops, ça va. Non, non, tire vraiment quand t'es prêt. Tu l'as gâché ou pas le boulet? Non, 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 t'inquiète. Tire vraiment que quand t'es prêt. Ça tient à l'écopage. Difficilement, mais ça tient. Bon, on a plus de voix là, c'est ça, si? Ah, c'est ok. Alors, j'écope un peu avec toi. Si, si, j'ai descendu, t'inquiète, pour les rattraper. Ok, on les rattrape. Je ne fais que les copages, moi, c'est... Ça tient, mais... Peut-être qu'ils tirent aussi tes boulets. Quand tu me repasseras, tu ne feras vraiment que tu fasses que ça, hein, je te préviens. Et 6. Et... Je continue de copier comme un fou. Ok, ok, t'es prêt à prendre le relais à l'écopage? Ah, attends, on peut pas y aller. Ah non, c'est trop loin, je peux pas aller sur le... Il est trop loin, alors, là. Il est trop loin. T'as touché à chaque fois? Ouais, ouais, chaque fois. Il y a un boulet du chaos qui est chargé dans le canon qui est à droite et devant. Ok, on va à droite. Putain. Mais c'est une leçon, hein. On a jamais assez de composants. C'est... C'est impressionnant. Trop de composants dans un Ectoba. Ce n'est pas... C'est que du PE, Papy Mip. Bonjour, Papy Mip. Ah, je t'ai pas vu, excuse-moi. Ah, c'était toi. Ok, comme t'es en bleu marine, j'avais pas... Okay, ok, ok, ok. Parce que là... Voilà, la seule solution que je vois, c'est le... Un petit... Ouais, attends, je vais essayer... Écope, écope, prends le relais à l'écopage. Mais je vais les éprôner. Prends le relais, hein. Ah, non, trop tard, ok. Bon, j'y retourne. Ouais, je suis dessus, hein. Ouais, mais non, on était trop loin du... pour que je puisse y aller. Ok, ok. Tu vois, dès que j'arrête d'écoper, ça se remplit, hein. Là, faut qu'on soit à deux, hein. Dès que t'as lâché la barre, tu me redonnes un peu d'avance. Je voulais le vomir, ils l'ont raté. Chez la bande de cons. Ah, c'est bien, un trou supplémentaire. Ça manquait, ça. On a 4 trous, je crois, là. Ah bon, j'essaie d'aller chez eux pour trouver des planches ou pas? Tu veux... Bah, soit toi, soit moi, mais quelqu'un, faut qu'il aille. Vas-y, vas-y, vas-y. Je te laisse aller. Non, je suis en train de vomir. Tu vomis ou pas, toi, là? Putain, non. Vas-y, alors, toi. J'y vais, allez. Oh, putain. Ok, je suis dessus. Et ils sont presque coulés, hein. Ah, je m'acharne, je t'assure, mais... Ok. Elles sont où, leur... Je crois qu'on va couler. Je crois qu'on va couler, Damien. Non, 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 non. Si, si. Presque mort. Je peux rien faire. Flotte squelette coulée, par contre. C'est bon, on a réussi, on a réussi. Oh putain. Reviens vite. Je suis là, je suis là. Reviens vite. Écope, écope, réfléchis pas, écope. Bah oui, mais on a pas de poids, on fait quoi? D'abord, on écope, et ensuite, on ramène au. On ramène un truc. C'est-à-dire que je peux tenir tout seul, en fait. Trouve un avant-poste. Putain, on a eu la flotte squelette. Note là sur la map, putain, c'est où la map? Attends, je vais voir où on est sur la map. Alors, ouais, t'inquiète, je m'en occupe. Mets une note. Tac. Avant poste. Non, mais attends, on va à l'île la plus proche et on chope du bois. Hein. Mais l'île la plus proche, on va couler. Bah, tu veux qu'on aille où? Et un avant-poste, il vend. Y'a pas forcément des planches? Ils en vendent pas? Je sais pas. Bah, je crois pas, hein. Moi. Bon, bah, trouve l'île la plus proche. Ah, mais putain, mais même notre gouvernail il est pété. Mais... Ah, mais attends, y'a des tonneaux. Des tonneaux, où ça? Ah, dans l'eau? Juste devant. Vas-y, jette l'ancre et vas-y. Jette l'ancre, ouais. J'ai cop, moi, je fais que ça. Putain, on a eu la flotte. Ah, oh, yes. Dis-moi qu'il y a des planches dans ce putain de truc. Oh oui, 28 planches. Ah, reviens vite. Reviens direct. Je pense que mon chat, là, il est en train de gerber dans tous les sens à me voir. Parce que j'ai un pattern, là, de... Ah, oh, putain.
Oh là 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 là. Et là, logiquement, on va avoir des joueurs qui nous tombent dessus, hein. En toute logique. Ah bah. Ça va le chat? Moi, je suis étonné qu'en autant de temps, personne ne soit tombé dessus. Hein. Non, mal que. Ah, j'ai tellement faim en plus. Hier, là, j'ai tellement faim. Oh mon dieu. Putain, on a eu la. Donc, c'est combien? 7, je crois, c'est ça? Je dirais 6, non? 6, ouais, 6 navires. Dont 5 galions, hein. Un sloop et 5 galions. Hein. Je reviens. Ah, moi, j'ai la tête qui tourne là. Là, je me sens pas bien. J'attends qu'il tourne IRL afin de boucler là. Oh, j'ai cop depuis 10 minutes, je fais que ça, j'en peux plus. Hein. Ah, je me sens pas bien là. Ah, putain. Ah, non, faut que je lâche le PC 2 minutes là. C'est bon? Faut que j'en vas-y. Là. Ok, okay. Dernier coup là. Je reviens dans le chat. Oh putain. Ok, heureux. Ouais? Je vais mettre un truc sur la bouffe, un peu l'air. Sur le feu. On est vivant. Mon dieu, on est vivant, on a eu la flotte. 300 boulets, hein. 300 boulets ou rien. Hein. Bien joué ça. Ah, putain, les boulets de canon et tout là. Ah, ils sont juste à côté. Impeccable. Oh, tellement bien là. Ah ouais, ça va nous changer. Oh là là, oui. De toute façon, là on prend les loot et on se casse. Hein. Oui, mais avant on prend les loot. Hein. Oui. Si on revoit les anciens, si on pas coulé les nôtres, on y va aussi, mais bon, ça m'étonnerait. Question pour le chat, s'il vous plaît, pour ceux qui veulent répondre. Combien de temps mettre des loot à couler? Genre les loot aussi bien des bateaux ou de notre précédent navire. Est-ce qu'ils ont forcément coulé ou. Sans ça, je crois que c'est un peu stupide en fait. Mais bon. 10 minutes! Ah ouais, c'est chaud. Donc on a tout perdu. Même les loot les nôtres ou ceux des navires? Virginie. Ou à tous. Effectivement, on voit rien là. Les deux. Je vais lever l'ancre et on va avancer. Hein. Et c'est ouais, fouille un peu. Putain. Les deux. Ah, c'est compliqué. Il faut réparer le gouvernail et le cabestan. Ça veut dire en fait que en 10 minutes, tu dois avoir fini l'event. Ah putain, c'est tendu. Ah, mais on a mis 2 heures pour le faire. Ouais, faut y aller à plusieurs bateaux quoi. Ou faut y aller ouais, avec un galion, mais. Bon. C'est vrai que rien que si on était 3, on aurait souci de gagner du temps, mais. Après les boules. Ouais, mais quand même. Ah, c'est chaud. Ah, je suis d'accord que c'est chaud. Hein. On va lever l'ancre. Quelqu'un doit ramasser les premières victimes. Ouais, c'est un peu ça, mais bon, pendant la bataille, c'est chaud quoi. Ah, si on est 3, c'est possible. Si on est 3, ouais, effectivement, j'en ai un qui va chercher les loot. Galère un peu, mais c'est possible. Galère beaucoup. Attends, y'a des mouettes quand même là-bas, hein. Donc bah, go, hein. Ils sont juste à gauche là. À droite, je vois rien. Pour le coup, ça c'est un peu dommage que ça coule aussi vite. Ouais, 10 minutes c'est short, hein. 10 minutes c'est short quand même. Non, tu finis pas en 10 minutes, mais quand tu coules un bateau, tu prends 2 minutes pour ramasser. Ouais, mais y'a d'autres bateaux qui attaquent derrière. Donc ramasser. Je jette l'ancre. Pas encore. Bon, on est loin encore. Hein. Le truc, c'est que t'as un autre bateau. Toi, enfin, nous, il popait vraiment à la suite, les galions. Vas-y. Ah, oh là là. Oh. Waouh. Ok. On y va. Ok. Oh mon dieu. Ah putain. Oh mon dieu. On est ultra bien. Ouais, là, le harpon, tu l'as ou pas? Bah non, je suis. C'est pas grave, on est juste à côté, tu fais pas chier. Hein. Oh putain de merde. Ok. Ouais, non, y'a juste à aller, ça prend le 2. Hein. Oh, putain de merde! Tiens, j'ai le 7 au cas où des gens arrivent. Socure, unban le docteur, s'il te plaît. T'as de la chance. Hein. Oui, faut savoir quand fermer sa gueule, le docteur. Surtout que là, t'as mis un lul ou autre, même pas un kappa, donc y'avait aucune chance de savoir que c'était ça. Oh, putain, ça coule! Oh non! Allez, on enchaîne. Putain, ça coule. Ah, mais ça c'est nul, enfin. Continue, on en a encore. Ouais. Pose direct, hein, tu poses sur le. Ah bah oui, t'inquiète. 10 minutes, c'est. Oh putain. Prenons les coffres, je pense que c'était un des derniers. À quoi qu'il y a encore.
Non, je vais prendre le gros là. Là il faut choisir. Hein. Ouais, alors, honnêtement, j'essaie de prendre le premier truc qui vient. Les coffres avant tout. Ah, ça va, on peut continuer encore un peu là. On a encore un peu de portée. Ça commence à devenir de plus en plus dur, mais ça tient encore. Merci pour le follow, Zodiac. Ça reste quand même worse, hein. Ah ouais. Ah bah tant qu'on peut, hein. Ah, il y a les sirènes. On s'en fout pour l'instant, les sirènes. Ah oui, Joseph de qui ? Joseph de sirènes. Allez, allez, allez. Lui, ce crâne, le crâne rouge, là, il m'intrigue. Crâne rituel. Ça commence à devenir très tendu hein, de récupérer là. Ça va, on snob pas, hein. Allez. Hop. Allez, vas-y, direct. Life, ce cure. Oh non, allez. Une heure, allez. Je suis une bonne humeur, on a tué le truc. Une heure. Bon, bah, pas grave. Life, c'est pas grave, tant pis. Hop. Tu. Bel arrêt du navire en tout cas, ça va nous aider. On aura quasiment tout récup en vrai. Hein. Ouais. Merci Soccer, impeccable, 1800 secondes ça fera le taf. Le mec... Mais là ça fait pas 10 minutes qu'on a coulé le dernier bateau. Oh putain, j'ai une baffe. J'essaie encore de récupérer un truc, ça va être chaud là. Hein. Ah oui, moi aussi, hein, je continue. Hein. Tant que je les vois. Hein. Allez. Je vais tenter le truc de sirène là. Le truc... Après y'a que des crânes, hein, je crois. Ouais, c'est fini, là c'est notre dernier truc. Hein. Parce qu'après faut remonter, oublie pas. Hein. Ouais. On prend les crânes, voilà, je l'ai. Ouais, non, la prendre est trop profond. Plus avec les sirènes, ça devient dangereux là. En vrai, on est déjà bien. On a récupéré tous les coffres. Il y a des trucs qui brillent à la surface. Ah bah, coup de go, hein. Ah oui, vu. J'en la vois de. Ah, mais c'est pas nos clés. Ah, les clés de quête. Oh putain, ah oui, peut-être. Go voir, écoute. Hein. Ouais, là, on aura plus les autres coffres. C'est pas grave. Ouais, j'étais en train de me noyer là. Harpon, ça, je pense que je peux le faire, non? Non, on peut pas. C'est con, on se serait placé un tout petit peu mieux. On aurait pu. Ouais, c'est les clés. Donc c'était notre. On a récupéré aussi les trucs de notre. Ah non, c'est une clé cendrée. Elle est où l'autre? C'est quoi qui arrive là? J'entends un gros truc. J'ai les deux. Non, c'est deux clés cendrées, c'est. C'est d'autres trucs encore ça. Ok. Mais ouais, le docteur, oh bah, très ouais. Très mauvais timing, mon pote. Hein. Très très mauvais timing, là, clairement. C'était génial, c'était absolument génial. Tellement dommage que ça coule aussi vite, mais ouais, c'était trop stylé. Oh, trop cool. Bon, on va vendre. Ouais. Clé cendrée requise. Ah bah, on en a deux, ça tombe bien. Je lève l'ancre. Mais bougeons. Attends, y a encore du. C'est une épave derrière? Est-ce qu'il y a un truc qui brille? Ah putain. Ouais, je pense, ouais. Bah, c'est une des épaves qu'on a. Peut-être une des épaves qu'on a faites, hein. Yep. Go hein, essaye. On essaye, écoute hein. Attends, l'avant-passe il est où là? Je vais voir. Ouais, elle est derrière nous ou elle est devant nous? Parce que l'avant-passe c'est devant. Attends, je la vois plus, merde. C'est devant. À l'ouest quoi. Ah enfin, non, c'est derrière. Ouest. Derrière, à l'ouest. Comme tu sens. Moi je serais chaud d'aller voir, mais après on a beaucoup de trucs. Hein. Go. Et là, l'avant-passe c'est juste devant, c'est pour ça. T'as levé l'ancre hein? L'avant-passe c'est juste devant. Genre vraiment on y est. Ah non, franchement si je te lâche sur l'avant-poste. Oui en plus il y a un coffre PVP, go faire l'avant-poste. Go devant. Il y a un coffre PVP? Ouais, juste à côté de nous ouais. Donc les joueurs vont peut-être venir. Go devant. Ah oui ok. On a vraiment... oui sur la map tu veux dire. Ok. Ouais. On a vraiment trop de trucs là. S'il y a du PVP laisse tomber. C'est ça. Faisons pas les cons. Notre première flotte PVE tombée. Ah oh, c'était. Elle est où la deuxième clé cendrée Ice? Je l'ai posée au-dessus quelque part. Ça a ouvert quoi dans le coffre? J'ai pas vu crâne rituel. Tonne de résurrection. Et il y avait de l'or aussi que j'ai récupéré. Il okay. Y avait mis les cartes. C'est quoi le coffre qu'il faut pour aussi, ça? De quoi? C'est quel coffre que ça ouvre? Ah oui, celui-là. Que cendre requise. Oh, tonne de feu, tonne de résurrection. Ok. Ça va valoir du pognon. Hein. Ça, certainement. En même temps, là, la flotte, je pense qu'elle va être. Et ça va être côté répute. Ok, il a un chouïa sur la droite, l'avant-poste. Ok, moi j'ai un caillou sur la droite. Bon bah, on va pas sur la droite. Tout compte fait, non, la droite c'est surfait. Hein. En plus, on a plus de bouffe rien, donc là on pourra vraiment rien faire en PVP. Hein. Côté boulot. Ah, non, mais laisse tomber, on va sur deux boss fight là. Ah, ça je veux pas, non, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on se casse quoi.
se casse. Là, on est en mode le courage fuyons, hein, si on croise quelqu'un. Est-ce que c'est pas un beau. Merde. Sur pont de bateau. Est-ce que c'est pas un beau pont de bateau, ça, pour deux noobs comme nous, le chat? Ah, oh, c'était tellement. C'est vrai que c'est classe. C'est vrai que c'est très classe. Ah, oh, c'était cool, hein. Ah, c'était. C'était cool. C'était cool, 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 cool. Eh ben. Alors. Ah, le PVE, il est génial dans le jeu. Hein. Et c'est des beaux coffres crâne et crâne d'ailleurs. Ah ouais, là on est. J'espère que vous avez kiffé en chat. Je pense que la partie. C'est quoi le terme? La partie. Là j'ai pas rêvé. Hein. Je peux plus. J'ai plus rien, ça m'a vidé. C'est pas pour toi, mais je suis vidé. Ah, je suis éclaté là. Non, mais faut que j'aille bouffer, j'en peux plus. On est en train de cuire. Moi, je suis en redescente là. Et dis-toi qu'il faut que j'aille faire les courses encore. Mais commande-toi un truc, putain. Bah, ça arrivera pas plus vite, hein, de toute façon. Oui, mais non, mais tu l'aurais fait il y a 2 heures, connard. Oh mon dieu. Faut que j'aille prendre des bibous aussi, je fais des bibous, attends. Ah, des coffres ou bibou, hein. Allez. Même band, c'était cool. Et tiens, maintenant, blague à part, le docteur. Après, peut-être que tu étais sérieux avec les 50 boulets, mais quand tu vises très très bien, tu sais, quand tu mets vraiment tous tes boulets sur les mêmes flottaisons, etc. quoi. Ouais, ça va mieux d'être dégueulasse. Mais c'est, en fait, c'est un mélange de. On visait pas si mal quand même, hein. On touchait quand même à chaque fois. Après, peut-être, tu sais, que quand tu touches en haut et en bas, ça fait pas pareil sur le bateau adverse. Ouais, ouais, tout à fait. Sur les navires, logiquement, tu peux défoncer le pont, il s'en fout un navire, tu vois. Il faut vraiment défoncer sur une flottaison, quoi. Je veux pas conseiller là-dessus, le chat, hein. Vas-y, lâche l'encre. Ok. Nous, clairement, là, enfin, à notre niveau, on était à 250 boulets tout court. Et. Enfin, 250 boulets et 50 boulets KO, etc. Et ça fait. On est bien là. C'est pas mal. Ouais, c'est parti. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. En tac. On passe par là. Évidemment, on arrive la nuit, hein. C'est toujours plus simple. Alors, c'est parti. Donc là, attendez, on a combien de thunes? J'ai 45 000 de thunes, ok. C'est parti, on va voir combien on va se faire. Alors, les coffres tête de mort déjà. 1002, ok, 1002 c'est pas mal. Toi, tu valides auprès de marchand, c'est ça? Alors, j'ai essayé de lui donner les tomes. Je pense là, que c'est la meuf. Elle les veut pas. Vu la gueule, ça c'est la meuf. Hein. La meuf des âmes là. Ça va être un truc un peu mystique, tu vois. Ouais. Je vais lui filer par contre la caisse de thé à lui. Ah, mais l'écopage, moi ça m'a fait gerber à la fin, je vous jure, j'en pouvais plus. Hein. La caisse de thé rare. Non, elle veut pas les tomes. Elle veut pas les tomes, donc c'est pas la meuf, c'est pas lui. Qu'est-ce que ça peut bien être? Donc c'est peut-être un autre endroit sur la map. Le collectionneur, bah ça c'est possible, ouais. On verra ça après dans ce cas-là. Je pense j'ai essayé avec tous les PNJ. Hein. Je vais quand même pas me déco pour voir. C'est vrai qu'on a perdu nos deux clés de la fable. Oui, mais on avait un checkpoint. Donc mais on avait un checkpoint. Je sais pas ce qui se passe. Mais non, on s'en fout. On a ouvert le coffre et on a récupéré la planche de bois. Ouais, mais les clés, elles ont servi à quoi dans ce cas-là? Bah, ouvrir le coffre. Ah bon? Oui, oui. Alors, attends. Coffre cendré. Je le ramène sur le bateau. Imagina de charger les copages. Oh, je pense qu'elle aurait pu vomir en live. Parce que moi, j'avais vraiment la tête qui tournait. Hein. Pourquoi tu emmènes notre coffre cendré sur le bateau? Bah, parce que nous, on peut pas le ramener ici, donc je le ramène sur le bateau. Bah, attends, j'essaie de voir avec qui on voit les tomes. Ah, ok, j'ai marre de ça. Bon, moi je crois que tu dois aller au coffre capitaine. Je vais dans l'auberge là, mais c'est mon dernier. Sinon, on peut essayer, on essaiera au hideout. Hein. Mais donc, dans ce cas, faut pas d'écho. Yep. Ah, bah c'est à l'arena devant le. Vous avez vendu le 25 de thunes grises là, alors je sais pas à quoi ça sert, mais. 300, ok, et la répit, tu l'as monté. Bon, bah dans ce cas, je ramène. L'arena, c'est qui? C'est la meuf qui est devant? Devant l'auberge, ouais. Alors par contre, attends, juste, fais pas le voyage 15 fois. T'as un tome dans un coffre et deux dans un autre, donc réunis tout dans le même coffre. De là, et ici. J'essaie de prendre le tome, mais ah, c'est bon. Hop. Et je m'occupe du reste. Vas-y, je t'ai mis le...
Ramène le coffre, c'est bon. Non, occupe-toi des trucs, Sandré. Ah, d'accord, dans ce sens-là. Merde, je te laisse sortir, attends. Hein? De quoi? Je t'ai pris un... Attends, bouge pas. Voilà. Non. Ah! Mais tu faisais pas les tomes, toi? Si, si, je pensais que c'est toi qui les avais. Bon, je vais faire les tomes, vas-y. Hop. Ah, je suis... Ok. <C'est pas grave. rire> On a faim, on a faim. Non, ça. Tout ça se trouve, Foxter. Pour le coup, ça se trouve vite. Hein. Ça se trouve très très vite. Bon, boulet. On peut en acheter, je crois. Il y avait un PNJ qui vendait des caisses de boulets. Mais elles sont vides. Ah, elles sont vides? Je sais pas, pour moi, c'est des caisses de stockage, justement. Oui, mais elles sont pas vides, ce serait pute. Bah, c'est tellement pratique la caisse de stockage, mec, que bon, ça me choquerait pas. Peut-être, Foxter, écoute, on verra ça. Mais je ne veux pas la réponse, on verra. Ah, alors le crâne rituel, c'est pas Madame Holwen qui les prend. Ah, peut-être encore le truc de la faucheuse. Boîte de... Oui. Livrer les crânes cherchés de tous les types. Ok, c'est le Drekaz, bonjour à toi. À qui je donne ce putain de crâne rituel? Enfin, je vais réessayer à la meuf du... La meuf de l'auberge. Hein. Alors, Lacryma, hop. Donc, premier tome. Pour le coup, le crâne rituel, ça a bien une gueule à être donné au... 25, tome de feu 5. Oh, comment ça s'appelle? Wideout. Ah, et ensuite, on peut lui vendre le coffre cendré à l'arena, d'ailleurs, hein, au cas où. D'accord. Ah, c'est con, parce que je suis venu sans le coffre. Hein. Non, ça va, il l'a trouvé en même temps. Mais ça sera quand même 10 minutes. 10 minutes, ça aurait été une heure, mais comme Trail a trouvé en même temps, c'est 10 minutes. Yes, c'est aussi à l'arena le crâne cendré. Un petit truc cool. Oui, alors ça, je veux bien que vous nous disiez, par contre. J'ai faim. Le Shiba, c'est un truc spécial, non? Alors, si c'est un endroit à trouver spécial, me dites rien. Je pensais que c'était dans la boutique, moi. Si c'est pas dans la boutique, on trouve pas nous-mêmes. J'en ai vu un de chien dans la boutique. Hein. Ah. Ah, réellement un Shiba, mais c'est un chien. Ah non, mais non, là, ils m'ont dit qu'il y avait un Shiba avec une. Shiba, ouais. Shiba, quoi. Pour moi, c'est boutique only. Hein. Tu peux acheter un pet dans la boutique qui te suit. Hein. Mais est-ce que c'est le Shiba qui a trois pattes? Je peux dire un truc. Ouais, vas-y, Virginie. Vas-y. Il finit par revenir à la surface, un truc dans le genre? Je sais même plus où on était en vrai. Hein. Des viewers ont parlé comme quoi il y avait un Shiba à trois pattes. Tu cliques dessus, il remonte, oui, c'est ça. Mais comment tu cliques dessus, je comprends pas. S'il est au fond de l'eau, comment tu peux cliquer dessus? Vraie question, hein, peut-être con, mais. Oh putain, oh là, 2500 là? Pas mal. Non, en gros, tu le ramasses et tu le relâches. Et tu récupères. Yes, fatal. Et en fait, tu réinitialises les 10 minutes, c'est genre ça? Et tu réinitialises les 10 minutes en fait avec ça? Ah, oh ouais, alors j'aurais jamais deviné ça. Je pense que toi comme moi on aurait jamais deviné pour le coup. Ah ouais, non mais c'est logique en fait maintenant qu'ils nous l'ont dit. Ouais. Merci à Virginie, ok. Et merci d'avoir demandé avant de forcer. C'est ça la politesse, merci Virginie. D'accord, bon bah on le saura pour la prochaine fois. Mais aucun regret, on aurait vraiment eu. Je veux même pas qu'on aurait pu le savoir là. Enfin, sur le moment, tu vois, en plus on est tellement éclaté là que bon. Putain, c'est la folie côté loot. Hein. Ouais, je serai dessus des one sur solo. En plus, c'est parfait, c'est le 9, c'est un vendredi. On fera tout le week-end dessus et le samedi, on fera l'OPSP. Hein. Le samedi 10, il y aura l'OPSP. Donc si vous pouvez être là, ça m'arrangerait. Il faudrait qu'on soit très nombreux. On verra si c'est possible de réaliser ou pas pour la moyenne de 250. Parce que 250, c'est pas très dur à voir. Et voilà. Et je sais plus ce que je voulais dire. Attends, je reviens, je crois que la bouffe est en train de cramer. Heureux. On l'a quasiment. C'est fantastique, Gorgobu. Voilà. Le Game Pass, il est. C'est God tier côté jeu vidéo. C'est. Voilà. Y a pas. C'est même pas vraiment un débat là-dessus. Hein. C'est, si vous, alors, par contre, faut aimer le principe. C'est LE Netflix du jeu vidéo. Voilà. Surtout que là, je crois que t'as 1€ les 3 premiers mois. Alors là, c'est. Enfin, là, c'est. Ouf. Donc, oui, pour Sword of Legend. Je vais le rajouter. Et voilà. Ça nous restera quand même quelques jours pour bien le défoncer. Donc voilà. T'as dit quoi Damien? Rien, je suis monté en haut de l'échelle et je me suis fait expulser du... Oui, ça m'arrive aussi. Jamais arrivé, ça m'a... Ah ouais, ça m'est déjà arrivé. On s'est fait 20 000 de thunes. Je sais pas combien de réputes. Et la monnaie secondaire bien fat aussi. Dommage, j'aime bien les débats, mais ok, je bloque. Bah en fait, le truc, il est juste trop clean, tu vois. Tu vois, par exemple, on pourrait débattre de l'intérêt du EA Play Pro, de Ubisoft, etc. Mais le Game Pass...
Le prix est débile tellement c'est bas. Le nombre de jeux est conséquent. L'interface est pas ouf, mais toujours mieux qu'Origine. Tu vois, c'est bien quoi. C'est vraiment vraiment bien quoi, tu vois. Le Game Pass, il est super ok quoi, donc voilà. C'est j'ai pas grand chose à dire pour le critiquer quoi. Ah, faut que je mange. On est bon, je crois. Ouais. Et alors attends, juste, tu sais où on la dépense la monnaie? J'en ai pas la moindre idée. Je te propose qu'on fouille rail, on finira par trouver. Ah ouais. Yes. J'ai pas envie de savoir spécialement. Non non, moi non plus, mais. En temps et en heure quoi. Tu vois si c'est un truc obvious que j'ai yes, raté. Yes, Blackpear. Je sais pas si c'est Battle of the Tyrell. Tu parles de la boutique toi, le docteur? Je sais pas de quoi tu parles. Bonjour prof. Attends, je reprends un peu le chat parce que j'ai raté les trucs. Donc ouais, date pour solo, on va aller voir ça pendant que la pause. Tu veux pas aller voir pour le Shiba? Si si, c'est ce que je comptais faire aussi, hein. Mais je sais pas où c'est la boutique. J'ai l'impression qu'on peut pas y accéder depuis le jeu. Le truc dans votre bateau. Tu m'as dit il y a le bateau des sirènes. Je comprends pas. Mais non, c'est juste un sceptre qu'on a. C'est juste qu'on loot le sceptre par contre. Oui, et on peut fight avec. C'est pas un bateau ça. Tu viens d'écrire il y a le bateau des sirènes en libre accès. Je comprends rien. On se parle. Rien pas dit. Pop. On a tout vendu, on est bien d'accord. Hein. Ouais. Est-ce que tu veux continuer? J'ai des cours moi. Oui, est-ce que tu veux continuer ou pas le jeu quand tu reviens de ta pause? Bah on finit la fable. Alors moi ça me battra. Moi je suis super chaud hein, de continuer, mais c'est... en fait c'est toi qui me. Yes. Est-ce que tu vois ça vaut le coup qu'on reste? Parce que je reste connecté hein, je vais pas péter un peu le chat, etc. Ah non mais fais du chivalry ou. Bah de toute façon, tu penses partir pour combien de temps environ? Je sais pas, une bonne heure au moins. D'accord, ok, on va passer sur autre chose. Attends, donc là, résultat... De toute façon, on a rien à garder hein, sur la partie. Non, qui est stockage, on en chopera. Ok. Ouais, non, j'aurai plus tard pour ça. Je voulais écrire bâton. Ah, c'est pas pareil. Oui, et le bâton, tu peux le looter. Non, enfin, j'ai pas trouvé où il se vendait, s'il se vendait. Ça a plutôt l'air une arme éphémère. Très cool, hein. Très cool comme arme, t'as... Un petit tir, putain. Petit tir et gros tir. Vraiment plutôt cool. Je reviens, je pense que la bouffe est prête. Putain. Heureux. Il y avait du monde dans le chat qui m'envoyait les infos sur le PSP solo. What? De où ça? Quand? What? Quel PSP? De quoi tu parles, Luzi? Sur mon chat? Je sais pas du tout de quoi tu parles, Luzi. Attends, faut que je mange un truc, mais là ça va me cramer la gueule. Sois plus précis, Luzi, s'il te plaît. En plus, là j'ai faim. Dès que j'aurai mangé, je vais me calmer, mais là faut que je vous demande la précision. Sauf que je peux pas manger pour l'instant parce que sinon je me brûle la bouche. Très frustrant. Coucou THX d'ailleurs que j'avais raté. Bonjour à toi. Alors. Dans un monde où je déteste le store et pas du tout. Alors ça Black Pilami, je te comprends tout à fait. Mais ne pas confondre cette bouse infâme qui est le Microsoft Store et l'interface Game Post qui est ok. Le samedi ça sera l'OP hein. Le samedi 10. Mais j'attends en fait les news dessus. Et je le verrai. Ça sera le samedi 10 l'OP. Ça sera 2h à nouveau. Et voilà. Donc là ça finira. Ça finira l'OP. Ça je pourrais être payé après. Je serai payé 6 semaines après ça. Donc ça veut dire putain, fin août quoi. Comme prévu pour le coup. Pour me prendre ma chaise fin août. Ok, j'ai plus rien à faire ici, on est bien d'accord, on a tout vendu, je peux quitter le jeu logiquement. Rien à foutre du pet pour l'instant. Plus tard. Là on est d'accord que la fable, c'est la fin de checkpoint. J'espère que ce sera bien le cas. Ok.